Smouac. Essence. Donc ça doit être un gloss essence. Oh la vache, il est beau aussi. Hein. Donc c'est le Nude Kiss. Donc je vous le montre quand même avant de le... Comme ceci. Pareil, c'est des petites brosses de ce type-là, les brosses que j'adore. Et la couleur. C'est mes couleurs, quoi. Regardez comment il brille, comment il est beau. Oh, merci. Je sais plus quoi dire, Lydie, franchement. Alors, les abeilles l'ont fait pour toi, carrément. T'as engagé des abeilles et tout. Elle m'était ouf, hein. Non, parce que... Donc ça doit être au miel, ouais. Et même à travers l'emballage, il sent super bon. Super, merci. Un petit paquet, encore du essence. Alors, cette fois-ci, c'est une ombre à paupières essence. Et c'est la Love That Grey, la numéro 34. Elle est comme ceci. Magnifique. Super jolie. Alors, ensuite, une odeur à tomber. T'as personnalisé les petits paquets avec des paillettes et tout, ma bichette. Oh, super. J'ai le combo. Donc, un lait corde hydratant réparateur à l'huile de noix, donc toujours de chez les cosmétiques. Donc, j'ai le combo puisque j'ai le gommage qui est dans le coin. Il est là. Voilà, génial. Hydratation, gommage, super. Et j'espère qu'il sent aussi bon que le gommage. Oh, il sent aussi bon. Pour moi, ça sent le caramel. C'est. Vache, c'est lourd ça! Je te souhaite un bon voyage en Tunisie depuis la salle de bain. Écoute, je ne sais pas si je vais partir bientôt en Tunisie pour de vrai. Mais en tout cas, déjà, si toi tu me permets d'y aller pour de faux. Oh là là! Qu'est-ce que c'est? C'est énorme! Alors, Hammam El Hanna du Body Scrub. Donc c'est un gommage super à l'argan. Donc il y a une opercule. Génial. Oh, écoute, alors ça, parfait. J'avais envie de me faire un gommage total. Là au moins je vais être servie, quoi. Ah, là j'ai le A2. Alors, j'ai le A1, j'ai le A2, j'ai le A3. On peut ouvrir. Alors, A1. Donc, pour rendre tes mimines toutes douces après cet hiver. J'en ai bien besoin. Quoique là, en ce moment, ça va mieux. Mais je t'assure que j'en ai bien besoin. Oh, génial. Donc, c'est de chez The Body Shop. Et c'est la main Ginger. Enfin, c'est la crème pour les mains donc ginger, quoi. Qui sent un peu comme le coca. Les bonbons au coca. Voilà. Petit format encore. C'est génial. Petit format, c'est pratique pour mettre dans le sac. Super. Donc A1. Donc A2. Tu m'as pas fait le combo des trois quand même. Si elle a fait ça. Donc bah j'ai le même mais odeur cranberry qui est également une tuerie. Je sais. Du coup je viens d'ouvrir la fleur de coton que je m'étais achetée pendant les soldes à mettre dans mon sac, mais j'hésite. Je vais mettre dans chaque sac une crème. Comme ça quand je change de sac, je suis sûre d'avoir de la crème pour les mains. Et donc le A3, je suppose que c'est celui à la vanille. Ouais, c'est ça.
Et donc la crème bah, pour les mains à la vanille. J'ai des Birdfly, des papillons en pagaille. Superbus. Ça va, tu te rapproches. Tu y es presque. Ça, c'est 2000. Alors, Birdfly, Birdfly, Birdfly. Wouh! Petite boucle en papillon. Elles sont super sympas. Toutes brillantes. Voilà, super. Merci. Alors, ensuite, sur celui-ci, il n'y a pas de petits mots. Ça a l'air d'être une ombre à paupières. Et c'est encore une ombre à paupières essence. Ah non, c'est un blush, pardon. Seul qui touche blush, donc news. Ils sont super leur packaging. Donc, oh, il est beau. Il est entre le rosé et le corail. Donc là, je l'ai très très peu estompé. Et enfin, il va vraiment falloir que j'en mette mollo mollo parce que là, vu comment il est pigmenté, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Il est super joli. Alors, je peux pas vous donner la référence parce qu'elle a enlevé les prix derrière et du coup, ça... ça a arraché les étiquettes. Alors, là, il y a un gros truc comme ça. Vu la forme que ça, j'ai envie de dire que c'est un beurre. Encore une fois, de chez Nectar of Nature, les cosmétiques donc de Carrefour. Et j'ai hâte de l'essayer parce que j'ai failli m'en acheter un. J'ai failli t'en acheter un. Super, je suis rechargée en beurre corporel. Je sais que j'ai la peau sèche. 5 fruits et légumes par jour. C'est un peu ce que je me dis en ce moment. Mais je t'aime. Un shampoing nourrissant à la mug. À la mangue et au beurre de noix. Donc de chez Nectar of Nature, les cosmétiques Paris. De chez Carrefour. Oh là là. Prochain shampoing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il me reste encore 14 paquets à ouvrir. Un petit paquet. Elles sont superbes. Elles sont magnifiques. Celles-ci, j'ai même peur que ma mère me les pique, tu vois. Tellement elles sont comme elle aime, mais elles sont superbes. Magnifiques. Merci. Alors, j'arrive pas à déchiffrer. C'est une grosse boule comme ça. Produit Lush. Purée, comment ça sent trop bon. Et c'est corps et volupté. Je vais l'ouvrir, puisque de toute façon, maintenant, j'ai ma jolie cloche pour ranger mes produits Lush. D'accord, donc c'est une balistique de Noël, en fait, il me semble. Elle est comme ceci. Et elle sent super bon. Mon amour! Tu me fais une déclaration? Bah oui. Un cottage à la fleur d'oranger. J'adore cette odeur et je l'ai jamais vu celui-là. À la fleur d'oranger, putain, il doit sentir trop bon. Oh, oh la vache. Oh, un cottage à la fleur d'oranger, il sent super bon. Merci ma bichette parce que cette odeur, je la connaissais pas. Ma fleur préférée en couleur. Ta fleur préférée? C'est quoi ta fleur préférée? La lavande? Alors, oh génial, je vais pouvoir les tester. Oh, il est beau, c'est un vernis essence couleur lavande avec des reflets nacrés. Il est super joli. Oh,
J'adore. Merci. Super, je voulais m'en acheter pour les tester. Parce que depuis qu'on a trouvé le site pour commander des produits essence, je ziote dessus. Et du coup, merci quoi. Alors, la douceur incarnée. C'est un trait de qualité que je t'attribuerai, ma chérie. Clairs. Oh, il est beau. Oh, c'est un kabuki de chez Clairs. Énorme. Enfin, énorme. Regardez. Blanc et rose, mais il est trop beau. Mais je l'ai pas vu celui-là. Moi je t'en ai offert un tout petit mini de chez H&M. Oh oui, il est doux. Oh, comme le... Il est peut-être limite plus doux que le LF. Honnêtement, il faudrait que je touche les deux pour comparer. Et alors, le format, comme ça, avec un gros manche... Pour passer dans le cou et tout. Génial. Oh, et ouais, et il est super doux. Ouais, c'est vrai. Et alors ça, c'est Clairs qui fait ça. Ok. Bah, tu vois, je savais pas qu'ils faisaient des pinceaux de maquillage. J'ai vu des pinceaux Nayar, puisque je m'en étais acheté. Mais, ouais. Super. Un petit paquet. Alors, un petit paquet, vu qu'il y a des clous qui sortent, je dirais des boucles d'oreilles. Bingo. Oh, elles sont jolies aussi. T'en as fait trop. Alors, c'est donc une paire de boucles d'oreilles avec des fleurs comme ceci. Et les petits diamants, donc moi c'est parfait parce que j'ai deux trous, mon troisième s'est rebouché. Elles sont superbes. J'adore. Alors ça vraiment, j'adore. Merci. Encore un paquet comme ça, vu la forme et le poids, je dirais que c'est encore un vernis essence. Oh, il est magnifique, je le voulais. Je voulais celui-là en plus. Il est, mais... Trop joli, c'est un bleu métallisé. Oh, attendez, je vous enlève mon cheveu. Ou celui de Lydie d'ailleurs, je sais pas. Parce que comme les paquets sont un peu collants, comme elle a enlevé les prix. Alors, quelle couleur? Blond. Lydie, j'ai ton ADN. Regardez-moi comme il est magnifique, quoi. J'en ai pas un comme ça. Pourtant, j'en ai des vernis. Hein, et celui-là, j'ai pas. Merci. Merci. Alors ensuite, chaud chocolat. Ça, je pense, vu la forme et le poids, que c'est un gel douche ou un truc comme ça, hydroché. Ouais. Donc c'est ça. C'est les Yves Rocher, les gels douches de la collection de Noël de cette année et de l'année dernière d'ailleurs. Enfin, c'est un gel moussant. Et donc celui-ci, c'est chocolat framboise. Alors, ma chérie. Oh, génial! Tu m'as mis donc la petite Bioderma. Super, la rose. Donc, pour c'est la petite solution micellaire. Je ne vais jamais, moi, en pharmacie, m'acheter des produits comme ça. Parce que je trouve que... Enfin, je sais pas combien ça coûte, honnêtement. J'ai jamais regardé. Mais je trouve des très bons produits dans le commerce. Donc, je me dis, je vais pas dépenser plus alors que je connais pas les prix, hein. Mais du coup, ça, la petite bouteille, c'est génial pour partir en week-end, pour tester, vraiment, c'est génial. Tout le monde en parle, tout le monde l'utilise, je vais pouvoir faire pareil. Je ne suis pas un mouton, c'est pour ça que tu me les as offerts, hein, à vous. Alors, pour ressembler à une jolie petite fée, je crois que la barre de massage fée des neiges, je la voulais. Je sais plus si je l'avais mis sur ma wishlist parce que je m'étais dit que c'était vraiment un extra. En plus, tu m'as pris la boîte. Mais attends, mais c'est super. La barre de massage fait des neiges. Et moi, t'as vu, je t'ai offert les gels douche. Oh, génial. Eh, merci hein, pour
Je crois que quand je vais me trouver un copain, je vais pouvoir me faire masser. Génial, eh, trop contente. Alors, petit bonhomme fondra. Alors, oh génial, si c'est le un siphon fond de Lush, je me le suis acheté. Mais je l'ai acheté qu'une fois et je regrette. Et je l'aurais dû en prendre plusieurs fois. Un siphon fond, ouais, génial. Trop contente. Alors, je l'ai déjà. Mais c'est un truc que tu utilises qu'une fois et c'est des collections. Donc, du coup... Regardez. Super. Merci. Je suis trop contente parce que j'avais regretté. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais ils sont tellement bons que j'avais regretté de ne pas me l'avoir acheté bah, en deux fois en fait. Bah, tu l'as fait pour moi. Alors, il ne reste plus que trois produits. Pétales de fleurs. Pétales de fleurs. Un produit Garnier. Lait démaquillant. Soins confort. À la rose encore, donc toujours peau sèche et sensible, donc comme ceci. Des yeux de biche, ça je vais le garder celui-là. J'adore quand tu me fais des petits dessins comme ça. Alors il y a du Kiko, il y a du Kiko et du... C'est peut-être du essence, alors attendez, j'enlève bien tout. Essence multi... Action Blackhead Blush Mascara. Alors, un mascara donc de chez Essence. Je l'ouvre ou pas? Ouais, je vais l'ouvrir parce que de toute façon j'en ai marre d'utiliser en ce moment mon cils à cils. Ah, il est comme ça. Alors, c'est une brosse à poils. Comme ça. Il a l'air d'être pas mal. Honnêtement, je vais être honnête, je préfère les... brosse en silicone, mais celui-là a l'air d'être bien, donc super contente. Et donc donc j'ai un quoi, un super color eyeliner le 103 et un long, alors un ultimate pen long wear highlighter. Alors c'est un liner feutre, d'accord. C'est mes lingettes qui viennent de tomber. Donc c'est un liner feutre comme ceci. C'est génial parce que moi j'avais celui de Yves Rocher et il fatigue un peu. Et quand j'aime me faire des traits un peu plus épais, du coup j'utilise cela et c'est génial. Merci. Super. Et donc un liner coloré. J'espère que je ne l'ai pas acheté. Le 103. Ça ne me dit rien. Des tout fins comme ça. Je m'en suis acheté plein quand ils les ont soldés. Waouh, il est beau. C'est un marron. Non, je crois que je ne me le suis pas acheté. Eh, t'as du cul. C'est un joli marron comme ceci. Donc là, j'ai fait un trait. Hein. Et ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je ne vous ai pas fait vite fait là, le trait du noir. Oh, il est super, même pour faire des traits fins et tout. Oh, regardez, il est juste au-dessus. Magnifique. Super contente, surtout que moi je mets toujours un trait de liner, même si ça se voit pas forcément sur mes make-up parce que je l'ai fait très très fin. Là j'en ai un, c'est un gris hein. Et voilà, parfait. Allez, le dernier. Pour le réveiller, tu devras y mettre le feu. Pour le réveiller, tu devras y mettre le feu. C'est une bougie Febreze Moonlight Vanilla Rêve des Mille et Nuits. C'est donc elle est comme ceci. Et j'avais plus de bougies. C'est génial, j'avais plus de bougies parfumées pour dans ma chambre. Je les ai finies, je les ai toutes finies. Donc du coup, je vais pouvoir l'allumer. Elle sent trop bon. Elle sent super bon. Elle est toute simple, regardez. Toute mignonne, mais géniale. Eh, tu sais quoi? J'avais plus de bougies, quoi. Eh, tu tombes. Eh, franchement, c'est de la oufrie, quoi. Oh, mais tout ce que tu m'as offert, mais je vais vous montrer tout de suite après. J'ai tout sur mon lit. C'est ouf. C'est oufissime.
je sais pas comment te dire merci, tu te rends pas compte. Je sais qu'alors on avait un budget assez conséquent, je l'ai pas dit au début de la vidéo. Un budget qu'on a toutes les deux dépassé, c'est sûr. Mais là, honnêtement, il y a plein de produits, c'est dingue. Voilà, merci. Je pourrais te le dire en toutes les langues si je savais le dire en toutes les langues, parce que c'est quelque chose de unique, c'est énorme, c'est voilà. Vraiment, si vous êtes youtubeuse ou même abonné ou des choses comme ça, que vous souhaitez faire des swaps, ou même vous êtes des blogueuses ou vous êtes des copines, voilà, nous maintenant on n'est plus des youtubeuses entre moi et Lydie, maintenant on est des copines. Faites cette expérience, c'est vraiment magique, c'est de l'adrénaline, j'ai encore le cœur qui bat à 120, qui bat moi très vite à 120 quand je suis au repos, mais alors là il va exploser là, le cœur à 500, allez pouf. Et franchement, mais je vais vous montrer, je vais passer derrière la caméra. Donc ça, c'était son carton qui est maintenant vide. Et donc là, vous voyez un peu le bordel. Là, voilà. Donc il y avait mon portable, ça, c'était pas compris dans le swap. Hein. L'écharpe, les gels douche. Le thé, la palette Too Faced, tous les gommages, les petits mots. Alors si vous voulez, je mets en vente le chien. Non, je rigole. Non, sérieusement, les trousses, les produits NYX, les produits Lush, c'est super. Je vous reprends comme ça. Voilà. Donc c'est terminé, j'ai hâte de faire le montage parce que c'est sûr que vous allez avoir un montage. Enfin vous allez pas le voir, mais voilà quoi. Je vous fais d'énormes bisous. Juste une petite aparté, moi j'avais proposé à quelqu'un de faire un swap qui ne peut pas dû à son âge. Si on se connaît un petit peu, etc., et que vous voulez faire des swaps, je suis preneuse. C'est vraiment génial, moi je sais que j'en referai un avec toi Lydie. C'est prévu, tu as déjà trouvé le thème, un thème plutôt sympa. J'en avais trouvé un aussi, mais je pense que le tien est encore beaucoup plus inspirant. Voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je suis excitée comme une puce, je pense que ça se voit. Voilà, allez, ciao, bye.